support and encouragement that you give everybody who supports young people and supports the non-formal education and learning. Et cela est grâce au soutien et à l'encouragement que vous nous apportez dans l'éducation non formelle. It is also thanks to the dedication of all the adults who support these young people, who encourage and inspire them, who are our award leaders. Et c'est aussi grâce à l'encadrement des adultes qui continuent de motiver et d'encourager les jeunes en tant que leaders. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du Mérite international de la jeunesse, qui est un programme du service civique national. La Côte d'Ivoire l'exécute correctement avec la direction du Mérite international de la jeunesse. Et c'est un programme qui permet de récompenser les jeunes et les adolescents qui ont de bonnes attitudes, qui ont de bons comportements, mais également qui sont au service de leur communauté. Donc l'année dernière, le secrétaire d'État chargé du service civique a organisé une cérémonie de récompense des jeunes méritants. Il faut indiquer que nous avons trois types de récompenses. Nous avons les médailles d'argent, les médailles de bronze et les médailles d'or. Et la médaille d'or est remise par les plus hautes autorités de l'État. Et donc le prince est arrivé dans le cadre de la remise de médailles d'or. Cette visite, qui consacrera la remise de médailles d'or, est également pleine de symboles et d'émotions, vu que la première distinction des médailles d'or en Côte d'Ivoire, dans le cadre du Mérite international de la jeunesse, a été celle au cours de laquelle le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, en qualité de Premier ministre, a procédé. En compagnie du prince Édouard d'Angleterre, ici présent, à la remise de médailles le 10 octobre 1993 au palais présidentiel. Son Altesse Royale, merci à vous pour cette fidélité basée sur les bonnes valeurs, valeurs que vous promouviez sur le plan international à travers le Mérite international de la jeunesse, né en Angleterre en 1956, à l'initiative de Son Altesse Royale, le duc Edingborg.